reprenons notre direct après un arrêt des gilets jaunes devant le palais de justice, symboliquement lieu très fort. Donc vous avez remarqué que nos gilets ont chanté la Marseillaise. C'est des canards, c'est des collabos. Merci madame. Ah, on ne sait pas trop, on va à gauche, à droite, tout droit. Attention, discussion. Attention, on ne sait pas où on va. Ah, divergence. Et on va rue Général Leclerc devant la sous-préfecture apparemment. Alors que certains voulaient prendre le boulevard de la République. Voilà, mais bon. Ah, changement de direction, attention, c'est un peu improvisé, hein, comme vous le voyez, on ne sait pas trop où on va quelque part, voilà, mais alors cette rue-là, monsieur, n'est pas très commerçante, hein, là, c'est pas très, pas le bon plan, là, voilà. On change, voilà, on est devant le McDonald's et on va emprunter le boulevard de la République. Voilà. C'est un autre de Chalon ? C'est un faux Chalon. Un faux Chalon, d'accord. Il y a combien de journal à Chalon en parallèle ? Alors, il y a le journal historique, c'est le journal de Saône-et-Loire. Ouais. Il y a deux journaux internet, un faux Chalon et un Chalon. Et il y a une télévision. Il devrait être Chalon TV, c'est moi. D'accord. Le boulevard de la République et après nous allons prendre, je pense, l'avenue Niépce et donc l'entrée parking.
Ouais, on va prendre le coup. Voilà. Bon, après, on est sur les gens. Ouais, mais ceux qui sont déjà. Donc, vous entendez, hein, l'idée de bloquer les entrées du centre commercial de Carrefour, le plus grand centre commercial de Chalon, avec, je vous rappelle qu'il y a Leclerc, Géant Casino, et Carrefour, Carrefour Nord et Carrefour Sud. Là, on se dirige vers Carrefour Sud. Et il y a aussi le Leclerc de Luch. Donc voilà, ce sont les 5 grandes surfaces de Chalon. Donc à la fin du défilé des gilets jaunes, voilà. Macron, démission. C'est un peu timide là. Un peu, mais ça dépend. Hein? Oh, on a du chemin, on garde des forces. Ah ouais. C'est le moment que tout le monde l'entend une fois. Macron, démission. Macron, démission. Ça va, c'est moins timide. Donc, on se dirige par la Vigneps sur le centre commercial de Carrefour Sud. Alors, je ne sais pas quels sont les camarades qu'il faut libérer, hein, mais bon, apparemment, il y a des camarades qui sont à libérer. Ils sont à Varennes, me dit-on, d'une source non autorisée et pas forcément très sécurisée. Disons qu'on s'étonne du fonctionnement à vitesse variable de la justice, quoi. Deux gilets jaunes se font interpeller, ils sont à Paris. À Paris. Non, ici. À Chalon-sur-Saône. Voilà. Tandis que pour M. Benalla, on attend toujours que la justice fasse son travail. C'est comme pour les 8 ministres du gouvernement Macron qui ont déjà démissionné. Je trouve la justice très lente pour eux. Alors, ils ont été condamnés à quoi, ceux qui ont été arrêtés Ils sont préventifs. Ils sont préventifs. Je croyais qu'ils étaient passés en comparution immédiate. Je ne sais pas. Je sais pas. Monsieur, vous savez est-ce que ceux qui ont été arrêtés mercredi ont été condamnés? Il y en a deux qui ont été condamnés. À quoi? Je ne sais pas s'il n'y a pas des antécédents de radar. Après, je ne suis pas sûr de... D'accord. Tout ce qui se dit là. Donc apparemment, il y a des gilets jaunes qui ont manifesté mercredi sur la RRCEA et qui ont été interpellés et qui ont été condamnés, on ne sait pas à quoi, en comparution immédiate. Donc il y en aurait deux à Varennes, d'après ce qu'on entend, et deux à Dijon. Mais bien sûr, tout ça est à vérifier. Hein. Vous savez très bien que ce qui se dit dans les rues, sur les Facebook, sur les... Il y a du vrai, beaucoup de faux, beaucoup d'interprétations. Et qu'il faut toujours vérifier vos sources, comparer ce que disent les différents médias, les différents sites, pour vous faire votre propre opinion. On va accompagner les jeunes jusqu'à au rond-point du Carrefour et après on vous quittera. Donc la police. Donc la sitting. Arrêt. Où va-t-on aller? Un petit sitting apparemment. On a la longeur.
qu'on nous signale qu'à Mercurey, c'est plutôt calme, mais qu'à Chalon, bon, on a une petite poignée de gilets jaunes, on peut chiffrer à 100, 150, c'est difficile de compter, mais donc qui sont là en train de s'asseoir, de se reposer pour se diriger sur le carrefour sud. Voilà, sitting. Allez, viens assis, hein. C'est pas grave. Il faut juste passer un connard qui pense que pas ça. Oui, bah, le connard, t'inquiète pas. Voilà. Bonne nuit. Bon, vous me réveillez encore pas. Allez, gilet jaune, je vous mets ma main sur la tête, s'il vous plaît. Non, c'était plus on a un gilet jaune qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Et on l'applaudit. Donc nous sommes sur la ligne Niépce, hein, vers en rond-point de la rue générale de Bois de la République et de la rue qui va à la gare. Et nos gilets jaunes donc sont en train de faire un petit sitting. Ah, vous voyez, on repart, les gilets jaunes se lèvent. Donc toujours, on ne sait pas où on va, hein. C'est un parcours un petit peu organisé à la demande, donc la décision de tourner, d'aller tout droit se fait comme ça, un petit peu en fonction des désirs de ceux qui ont des opinions, de ceux qui n'en ont pas. Voilà, donc apparemment on va remonter l'avenue Nice et Fort-Niépce. Allez gilets jaunes, vous êtes là? Oui. Vous avez chaud les gilets?
Donc nous sommes toujours en train de suivre la centaine de gilets jaunes qui est donc partie du Colisée, qui a été faire un petit tour sur le pont de Bourgogne. Donc je vous rappelle que le projet initial était de bloquer le pont de Bourgogne, mais qu'il y a eu un petit incident de voiture vers 7h-7h30, et donc le collectif, après avoir proposé des solutions de manifestation, a décidé donc de se rendre au Carrefour Sud, au lieu du commerce, et d'après les Gilets jaunes, au lieu du capitalisme, hein, puisque ce n'est pas un petit commerce, c'est une grande chaîne, et que la famille qui possède le Carrefour, d'après les Gilets jaunes, ne paye pas trop d'impôts en France. Donc c'est symbolique, c'est un lieu symbolique, c'est un lieu aussi bien sûr stratégique. Voilà. Donc on a des gilets jaunes qui nous rejoignent là-bas. Donc nous avons un gilet jaune qui nous dit « Je suis trop fainéant pour trouver un slogan ». Mais il rajoute quand même « Macron démission ». Toujours en direct. Toujours depuis ce matin. C'est vrai? Ouais. Ben oui. C'est bien comme ça, il y a des gens qui suivent, qui voient ce que vous faites. Et on y voit sur quoi ça suit? Alors là, sur la page Facebook de Chalon TV. Facebook, hein. D'accord. Vous tapez Chalon TV. Oui, oui, d'accord. Voilà, puis d'habitude, les reportages, on le voit sur le site chalontv.info. La page Facebook, c'est une vitrine pour dire aux gens voilà ce qu'il y a. Mais le direct, c'est toujours sur Facebook parce que c'est le seul qui permet de faire du direct. D'accord, ouais, ouais. Voilà, alors, vous voyez, il y a à peu près 13 personnes qui nous suivent. Ouais. Mais après, c'est enregistré sur le site, ouais, Facebook.
Et donc l'autre fois, quand on était, j'ai fait le rond-point de lui après le Géant Casino. Il y a eu 2000 personnes qui ont regardé le live, mais en différé, puisque après. Donc il y a du live, puis après c'est du différé. D'accord. Voilà. Oui, c'est. Ouais, samedi dernier, c'était un fiasco le monde. Hein. Un Géant Casino, oui. Puis bon, ça. C'est un magasin qui est quand même en difficulté. Bien sûr, mais ils sont en dépôt de bilan. Ils sont en dépôt de bilan. Et comme j'ai compris, c'est pour ça que je voulais aller moi, faire une action à Leclerc. Parce que soi-disant que c'est Leclerc qui voudrait racheter... Pour faire à Leclerc Non, parce que Leclerc, ils sont associés avec plusieurs autres marques. Et comme j'ai compris... Ouais, votre idée, c'était d'aller à Leclerc, vous, hein. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Mais le samedi passé, c'était Leclerc. Parce que demain, il y a les 40% sur les jouets. Ah oui, parce que demain, c'est ouvert. Il y a les 40% demain sur les jouets. C'est vrai que demain... Il y a tous les... Ça marche, ça? Oui, ça marche. Oui. Attention à ce que vous dites. Ça marche. Qui vont à Leclerc. Et à l'ouverture, ils sont tous à voir, ils se battent. C'est vrai que demain, tous les magasins sont ouverts toute la journée. Ouais, mais ça me fait chier de faire de la pub pour Leclerc, là aussi. Hein. Vous avez fait un peu de la contre-pub là, parce que vous avez dit qu'il fallait bloquer le Leclerc. Oui, il faut le bloquer celui-là. Ah. Leclerc Chalon, hein, je parle. Hein. Pas Leclerc lu. Pourquoi pas? Monsieur, pour bloquer tous les Leclerc de Chalon, et les Leclerc Drive aussi, à Châtenois. Voilà. Non, parce que Leclerc lu, il est passé déjà la semaine dernière. Oui. Dimanche dernier. Oui. Donc là on arrive sur le pont Jean-Richard, nous allons traverser la Saône pour rejoindre le fameux carrefour sud. Non, on va faire une halte au milieu là. Au milieu, donc une halte sur le rond-point du pont Jean-Richard. Voilà. Ouais, parce qu'on a mal aux jambes. Hein. C'est fatigant, hein. Oh là. Et monsieur, vous êtes là depuis le début, je crois. Ouais. Hein, ouais. Donc ça fait plus de 17 novembre, donc ça va bientôt. Sur la brèche tout le temps. Un mois. Ouais. Voilà. On est bien dehors. Ouais. Le temps que Macron ne partira pas, on sera dehors. Ouais. Bon, à avoir un peu froid quand même en janvier. On risque de se cailler. Mais. Et vous trouvez le mouvement comment là? Vous trouvez. C'est pas mal déjà là. C'est bien. Mais tantôt, ça sera mieux. Parce qu'il y aura plus de monde. Ah oui. Oui, le matin, c'est un peu difficile pour les gens de venir manifester. Il y a les enfants, les courses. Et voilà. Donc ils sont à peu près 100. La police est avec nous. Ils y sont la police. Okay. Voilà. Regardez, ils y sont. La police est là. Macron démission. Et vous n'avez pas eu envie d'aller à Paris alors? Non. Non, c'est trop dangereux pour vous. Il va casser la tête. Ouais. Donc on arrive au pont Jean-Richard. Voilà, donc je vous rappelle que ce cortège gilets jaunes qui est parti du Colisée et qui seront au rond-point de Carrefour Sud est protégé, sécurisé par la police. Hein. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème et de blessés surtout. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même déjà 6 personnes qui ont trouvé la mort sur les ronds-points ou sur les barrages gilets jaunes. Donc je vous rappelle que Chalon TV qui suit en direct la marche des Gilets jaunes est une télévision, une web télévision associative de bénévoles et que vous pouvez trouver tous nos reportages sur notre site chalontv.info. Les directs sont faits sur la page Facebook Chalon TV, mais les reportages, les papiers, les reportages vidéo sont sur le site chalontv.info. Voilà, nous sommes au rond-point. Oh,
On va demander à un manifestant. Le pire. Alors pourquoi avoir choisi Carrefour? Tout simplement parce que Carrefour est en train de fermer une trentaine, vendre ou fermer une trentaine de magasins. Tout simplement pour pouvoir engraisser leurs actionnaires. C'est oui. Tout simplement ça. Et vous parlez tout à l'heure des propriétaires de Carrefour. Alors les propriétaires de Carrefour, je ne les connais pas tous, oui. Mais il y en a certains. C'est pareil, ça défiscalise à plein pot à tous les coups. Donc nous, ce qu'on veut, c'est coûter de l'argent à des gens qui ne payent pas leurs impôts en France, qui se servent de leurs salariés pour gagner du pognon et après qu'ils les jettent comme des malpropres. Et Carrefour, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils sont en train de fermer plus d'une trentaine de magasins, tout simplement pour pouvoir verser des dividendes supplémentaires à leurs actionnaires, parce que le groupe ne gagne pas suffisamment d'argent au vu des actionnaires. Et nous, ce monde où les actionnaires décident de la vie des gens, c'est une honte. Nous, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça chez nous. Alors vous voulez quoi? Que ce soit plus partagé? Exactement. Aujourd'hui, il y a des groupes. Il y a des groupes de distribution comme Super U, comme Leclerc, comme Intermarché. Ces groupes-là, eux, ils payent leurs impôts en France parce que c'est des groupements d'indépendants. Mmh. Voilà. Et nous, ces gens comme Auchan, comme Carrefour, ils nous débectent. Ils nous débectent. Et donc, on a décidé d'aller dire aux clients de Carrefour à qui donner leur argent parce que les clients doivent savoir à qui donnent leur pognon. Alors là, vous allez quoi? Vous allez bloquer les entrées de Carrefour ou Nous, l'idée, c'est qu'on aille se mettre derrière les caisses et qu'on fasse de la pédagogie vis-à-vis des clients. Dans le magasin, non? Si on peut rentrer, on rentre. Ouais. Sinon On restera devant les portes et on expliquera aux clients qui arriveront. Mais vous laissez rentrer les clients ou pas? Ah, mais s'ils nous laissent rentrer, les clients rentrent. Ouais. Mais si on ne vous laisse pas rentrer, vous bloquez aussi l'entrée? Ah, on se met devant, on attend. D'accord. Hein? C'est que s'ils laissent rentrer leurs clients, nous on rentre aussi. D'accord, oui, vous êtes client potentiel. Ben voilà, exactement. Même si vous n'êtes pas forcément... Exactement. D'accord, bon, écoutez, on va voir ça. Hein. Je pense qu'ils sont prévenus de votre arrivée. Je pense. Hein, je pense. Oui, si c'est comme la semaine dernière à Auchan, ils avaient fermé les portes quand donc on est arrivé. À Macon. Donc le monsieur qui nous parlait, là, est un gilet jaune de Macon. Les Mâconnais sont venus aider en petit nombre ce matin, les Chalonnais, puisque je vous rappelle que samedi passé, il y avait une délégation de Chalonnais, mais aussi de Creusotins, qui s'était rendue à Mâcon pour manifester, notamment devant la préfecture. Donc vous voyez un peu ce que demandent aussi les Gilets jaunes, c'est que les entreprises payent, qui font du commerce, qui font des ventes en France, payent leurs impôts en France. Et bien sûr, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Notamment, on pense ici à Chalon, à Amazon, hein, dont les profits sont défiscalisés, sont déplacés, sont placés en Irlande, où l'impôt est beaucoup moins fort. Donc, la proposition, c'est tu vends en France, ce que fait Amazon, tu payes tes impôts en France. Voilà, donc... Nous arrivons vers l'IUT de Chalon. Alors nous demande sur le live Facebook où nous sommes. Donc nous sommes vers l'IUT, nous avons traversé le pont Jean-Richard et nous nous dirigeons donc vers le centre commercial de Chalon-Sud que les Gilets jaunes ici présents ont envie
de bloquer ou tout au moins de montrer leur présence et rappeler aux acheteurs que certains grands groupes ne payent pas leurs impôts en France alors qu'ils font du commerce en France. Donc voilà, nous sommes là. J'espère que j'ai répondu à la question d'Alexia. Voilà, donc... Donc il y a des escargots gilets jaunes et il y a des lapins gilets jaunes. Et voilà, le groupe est un peu étendu, hein, voilà. Voilà le groupe. Là, vous voyez la fin du groupe. Ah, nous avons même des boxeurs, des gilets jaunes boxeurs, là. Nous avons presque un futur champion de Bourgogne. Enfin, il sait de qui tenir, hein. Ça va ? Ah oui, ça va, monsieur. Ça va passer à la télé. Vous êtes en direct, attention, hein. C'est vrai ? Non, pas encore. Mais bientôt, on espère. On espère que Chalon TV aura des subventions, notamment du Grand Chalon et de la ville de Chalon, pour pouvoir vivre. Hein. On va demander au maire, voilà, des subventions pour que Chalon TV, qui est fait de bénévoles, puisse embaucher, parce qu'il faut embaucher, des jeunes journalistes pour pouvoir couvrir davantage ce qui se passe sur Chalon, le Grand Chalon. Donc je vous rappelle que Chalon TV est une web télévision associative faite de bénévoles et qui ne reçoit aucune subvention, ni du Grand Chalon, ni de Chalon, alors que nous couvrons beaucoup d'événements de toutes sortes, hein, sportifs, culturels, politiques, sociaux, économiques. Voilà. Donc, monsieur le maire de Chalon, monsieur le président de Grand Chalon, si vous nous entendez, pensez à nous. Nous sommes une association et nous avons droit, comme toute association, à avoir des subventions pour pouvoir travailler, pour pouvoir informer nos Chalons. En toute indépendance, bien sûr, mais donner une subvention n'oblige pas les associations qui la reçoivent d'être soumises au pouvoir qui lui donne la subvention. Je vous rappelle quand même que tous les médias français, sauf Mediapart, reçoivent des subventions de l'État. Autrement, il n'y aurait pas de médias. Donc voilà, le fait de recevoir une subvention de l'État pour le Figaro, par exemple, n'empêche pas le Figaro d'être indépendant. Pour l'humanité, c'est pareil. Hein. Donc recevoir une aide de l'État ou d'une collectivité n'empêche pas de garder son indépendance. Voilà, on arrive vers le rond-point du carrefour. Et donc, nous vous quitterons quand les gilets jaunes seront organisés pour nous rendre sur d'autres occupations. On nous rappelle, un de nos web suiveurs nous rappelle que nous étions depuis le début, oui, en effet, nous suivons les Gilets jaunes depuis le début, donc depuis le mois de 17 novembre, hein, tous les samedis, à l'autoroute, mais aussi au rond-point de Lu, et que sur notre site chalontv.info, donc pas sur Facebook, mais sur notre site, vous pouvez trouver des photos, mais aussi une interview de David et d'Alan, qui sont des gilets jaunes historiques du rond-point de Lu. Ils sont là depuis le début, ils campent, ils couchent, ils travaillent, hein, ils ont aussi un travail, mais le reste du temps, ils le passent sur le rond-point de Lu. Vous pouvez donc entendre leur interview, écouter, voir leurs propos, leurs revendications, leur vision un petit peu de la suite du mouvement, leur vision du monde de demain, de la France de demain, donc sur le site chalontv.info. Chalontv.info, la web télévision indépendante du Chalonnais. Hein, voilà. Donc, regardez-nous, il y a plein de reportages. Le dernier reportage est sur un enfant autiste. Le prochain sera sur la maison des adolescents. Donc, nous essayons de couvrir à notre mesure, parce que nous sommes, je vous rappelle, des bénévoles non subventionnés.
essayons de trouver, de couvrir ce qui se passe sur le Chalonnais dans tous les domaines. Et donc là, nous sommes aujourd'hui, comme tous les samedis, en direct sur Facebook avec les Gilets jaunes, la centaine de Gilets jaunes Chalonnais, aidés par quelques Mâconnais. Voilà. Là, on arrive à Carrefour, hein, comme vous voyez, sommes sur le parking. Voilà. Ah, nous avons un nouveau slogan, les mecs à poil pour bloquer Carrefour. Et apparemment, cette proposition de la coléreuse n'a pas eu un écho très très favorable. On peut comprendre vu la température qu'il fait. Ah, la police à poil ! Ah, une autre proposition, c'est que la police soit à poil. Voilà, il y a... Ah, les ours sont à poil, mais les ours, ils ont beaucoup de poils. Voilà. Oui. Ouais, on est rentré, mais du coup, là, il est sorti, mais il est pas rentré. Ils ont tout bloqué, là, les capacités pour les groupes. Ah, un café fait. Ah, je vais bloquer les gens. Ah, je vais bloquer les gens. On va faire comme un macon, puis ils ont fermé dans l'eau. Du coup, on verra la bagnole. Donc je vous rappelle que nous sommes arrivés à Carrefour Sud avec notre centaine de gilets jaunes. Non, il faut fermer les portes. Maintenant que vous le voyez, les portes sont fermées. Ils ont tout bouclé. On cherche un gilet jaune qui était déjà là. Oh non. Donc certains militants demandent que Carrefour, qui ne paye pas ses impôts en France, n'ait plus de CICE, donc l'aide de l'État. Voilà, comme vous voyez, les portes sont fermées. Apparemment, le magasin vient d'être évacué, puisqu'on vient plein de gens sortent du magasin. Voilà, sorti, voilà. Le magasin est évacué, nous sommes en direct de Carrefour. Les acheteurs quittent Carrefour, voilà, vous voyez. Nous sommes en direct. Voilà, voilà, attention, tentative de rentrée. Voilà, ça pousse. Ah, on comprend votre cause, on va vers les cons, ok, on comprend la cause, on discute, donc j'ai dit, vous rentrez pas ici, c'est pas en poussant qu'on discute, monsieur. Eh, Vigile, vous avez aucun droit, il n'y a pas d'OPJ avec vous.
Si on veut comprendre la cause. Allez, ma question des clients de Carrefour. Petite consultation musclée. C'est du refus de vente, ça, c'est pas légal. Ah, on me signale que c'est du refus de vente. C'est pas légal. Refus de vente, oui, voilà. C'est l'entrée des salades après là-bas. C'est la discrimination envers les gilets jaunes. Donc, nous avons des vigiles qui sont un peu énervés. Ils n'ont pas l'OPJ, donc ils n'ont pas le droit. Il n'y a pas d'OPJ. Il n'y a pas d'OPJ. Mais quelque part, ils ne sont pas policiers, ils ne sont pas assermentés. Ils n'ont aucun droit. Ils ne sont pas assermentés, monsieur. Mais vous aussi, en plus. Nous avons un vigile. Monsieur, ça fait. Un vigile sur Versus. Peut-être que c'est mieux avec un gilet jaune. Non, non, c'est un gilet jaune. Les gamins qui peuvent. Ça se passe bien. Fait comme ça. Ah, il y a une négociation entre le responsable du vigile de Carrefour. Les gars, c'est bon, on reste dans le Carrefour. Ah ouais, merci, jusqu'à 21h. Le film. Ah ouais, faut filmer. C'est du direct, hein. Eh ben nickel. Voilà, donc ce qui se passe, c'est acté. Ouais. Alors c'est quoi? On vous propose quoi? Il n'y avait pas des gilets jaunes. Non. On a pas vu des photos. On vous propose quoi? Libérez les otages. Ils ont évacué le magasin. Ouais, voilà. D'accord. Et ils vous proposent de rester sur le parking, c'est ça? Ouais, ouais, on va voilà. Rester. On va rester dans les portes. Allez, bonne journée. Donc voilà. Allez, attention. Merci. Merci. Voilà, donc. Voilà. Travaillez bien. Merci. Vous avez pris sa place, c'est pas grave. Ah merde. Moi, je suis fermé. Bon, bah là, on reste devant. On reste devant. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Je veux te faire votre sac. Oui, s'il vous plaît. Si vous pouvez aussi me remettre sur l'épaule. Voilà, merci. Merci bien. Voilà, donc, les gilets jaunes sont arrivés à Carrefour. Voilà. Et le magasin a été évacué. Voilà. Nos amis de France 3 viennent de nous rejoindre. Voilà. Le magasin, comme vous voyez, est fermé. Il aurait cette dent. Voilà. Donc voilà, nous sommes devant l'entrée du centre commercial Carrefour Sud, donc qui vient d'être évacué de ses consommateurs. Et les gilets jaunes sont là, donc je pense qu'ils vont rester un quelques temps. Toujours les mêmes. Alors là, vous faites quoi là? C'est quoi? On vous restez là? Ils ont tout fermé, tout est fermé. Ouais. Donc l'idée c'est quoi? C'est de rester là tout puis est fermé, de. Fermé, ça commence à se bousculer avec les vigiles, ils ont fermé les portes. La clé. Ouais. J'ai vu, hein, j'ai vu. On verra. Il y avait beaucoup de monde dans le magasin, on ne sait pas. Tout le monde était évacué. Si ouais. Enfin, la plupart des gens. Avec les vendeurs qui sont là et ils sont fermés dedans. Donc nous allons quitter un petit peu ce direct pour y revenir dans quelques instants. À bientôt.